Jean de Vannes, tu es né en 1921 à Lille, dans le nord de la France. Et je dirais symboliquement, quand tu commences à peindre, à te manifester, Kandinsky, qui est le père de l'art abstrait, meurt en 1944. Et tu m'as raconté que tu étais d'ailleurs aux obsèques de Kandinsky, où tu as vu peut-être pour la première fois de Staël et Poliakov. Oui, c'est exact. C'est la première fois aussi que je rentrais dans une église russe. Et c'était un hommage. Je n'ai pas connu Kandinsky vivant, malheureusement. C'est un homme que j'admire beaucoup, qui était extrêmement cultivé, extrêmement intelligent, et qui était abstrait dans ses écrits avant de l'avoir été en peinture. Ce qui montre comment il est difficile de créer un art abstrait. On a l'idée en soi, on a pu les formuler, faire des théories, écrire deux livres sur la question, et ce n'est que quelques années après qu'il a pu réaliser ses premiers tableaux qu'on peut considérer comme véritablement abstraits. Oui, il fallait tous ces éléments-là pour pouvoir faire des œuvres complexes, de plus en plus complexes, et ce n'était pas facile. Et il fallait donc que je fasse appel à toutes les connaissances de mon temps. Et les connaissances techniques et les connaissances théoriques. Par exemple, vous parlez du vert, eh bien, pour les couleurs matières, par exemple, il y a trois couleurs de base, le rouge, le jaune et le bleu, tout le monde le sait. Mais pour les couleurs lumière, les trois couleurs de base, c'est le rouge, le bleu et le vert. Et vous le voyez d'ailleurs à la télévision, dans certains éléments que l'on voit à la télévision, le vert est une couleur de base et le jaune est perçu par soustraction de vibration. Et c'est là la grande différence. Et c'est en pensant de cette façon-là que j'ai essayé d'obtenir le maximum de puissance de la couleur. C'est en pensant donc avec ces couleurs lumière dont nous parlions tout à l'heure que j'espère être arrivé à des mariages de couleurs de la plus haute intensité possible. Et malheureusement, les couleurs chimiques ne me permettent pas d'arriver à la plus haute intensité possible. Je suis un tout petit peu brimé par les ingénieurs chimistes et je leur demande, messieurs, je vous en prie, essayez de nous trouver de nouveaux pigments encore plus purs que ceux que nous avons actuellement. Le monde des passions et des élans créateurs s'entrelace avec celui des mathématisations les plus subtiles. Alors les univers du rêve, de la magie et de la plus haute rationalité vont s'unir au vif le plus précieux de l'homme. Autre caractéristique de l'art de Jean de Vannes, la peinture monumentale, les environnements. C'est une chose qui se retrouve d'ailleurs dans tout le cours de la carrière de Jean de Vannes. Il y a des usines au Danemark qui ont été mises en couleur. Il y a le musée de Grenoble qui avait une grande peinture qui est démontée, je crois, aujourd'hui de 150 mètres de long. Il y a eu même un projet de mise en couleur de la ville de Grenoble tout entière qui Oui, malheureusement n'a Girolle. pas été réalisée. Il y a eu la peinture au stade olympique, 60 mètres de long. Il y a la longue marche, 100 mètres de long. Et puis il y a ce qu'on pourrait appeler l'apothéose de cette peinture monumentale. Ce sont les grands panneaux de l'Arche de la Défense qui vont du rez-de-chaussée jusqu'au sommet
c'est-à-dire 100 mètres de haut, 70 mètres de large, dans les 34 étages, peinture unique, la plus grande peinture du monde, je crois. Dès le moment où l'on veut obtenir les couleurs les plus puissantes, les plus intenses, eh bien, il faut une certaine quantité de surface pour que la couleur la plus pure puisse s'épanouir. Et Jean de Vannes est foncièrement peintre. Il n'est pas sculpteur, comme parfois on le pense, parce qu'il a réalisé des œuvres qui sont à la limite de la sculpture et qu'il a intitulé d'ailleurs fort justement des anti-sculptures. Pourquoi anti-sculpture ? Eh bien justement parce qu'il ne sculpte pas, il prend des pièces industrialisées qu'il peint. Comment est-ce que ce phénomène s'est introduit dans votre œuvre ? Eh bien, il fallait absolument rompre le plan-plan et essayer de voir ce qui se passait lorsque on avait des parties de l'œuvre qui reculaient, d'autres parties qui avançaient. Je suis toujours peintre, comme vous l'avez dit, et même sur les antisculptures, c'est toujours à un tableau que l'on a affaire. Seulement, vous savez que le rouge, par exemple, est une couleur qui vient en avant. Eh bien, sur l'antisculpture, la partie qui vient en avant, est-ce que je vais y mettre du rouge pour accentuer cet effet, ou est-ce que je vais mettre un bleu, qui est une couleur qui recule, pour atténuer cet effet? J'ai donc deux possibilités et je peux jouer sur ces deux possibilités. Et je tourne autour de l'antisculpture alors que je ne peux pas tourner autour d'un tableau. Ce qui fait que je fais deux tableaux les uns dans les autres. Si on veut faire des œuvres très complexes et très vivantes et les faire évoluer vers toujours une plus grande vie d'aujourd'hui, on est obligé de leur donner beaucoup plus de souplesse. Donner plus de souplesse aux formes précises. En réalité, je ne fais pas de formes géométriques, je fais des formes précises, ce qui est très différent. Et pourquoi sont-elles précises? C'est parce que si elles étaient légèrement baveuses sur les bords, au contact des deux couleurs, celle de la forme positive et de la forme négative, il y aurait comme une vibration grise. Les couleurs seraient légèrement tuées. Alors pour cela, je fais des formes extrêmement précises, ce qui a pour effet, tout d'un coup, de faire naître une nouvelle couleur qui était imprévue, que je ne pouvais pas vraiment prévoir, au contact d'une forme rouge et d'une forme bleue, il peut y avoir tout d'un coup une ligne lumineuse, vraiment, que voit la rétine, donc elle est réelle, et qui est d'un rose ou d'un vert pâle ou d'un bleu violacé. En général, c'est assez inattendu parce que cela dépend des quantités de couleurs qui sont mises en cause. Les ensembles plastiques se rencontrent, se dérangent ou coïncident. La danse des substitutions, des permutations, des transpositions s'enroule par spirale centrifuge ou explosive. L'œuvre serait une zone de points d'accumulation, de charges sensorielles et mentales, enveloppée de courants fluides. Les tangences, les intersections, susciteront une forte puissance d'attraction, créant les plus fortes intensités émotionnelles. Un champ plastique peut en capter un autre,
soit totalement, soit partiellement. Le champ capteur modifie sa forme et accroît sa puissance esthétique. La capture complexifie.